Salut les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Il est assez tôt, je viens de recevoir ça. C'est une enveloppe d'abonnés, tout simplement. C'est un cadeau. Je connais une partie de ce qu'il y a à l'intérieur et je connais pas le reste. Une surprise. Vous savez que je fais souvent ça en vidéo avant une autre vidéo. J'ai aucune idée de quelle vidéo sera après celle-ci. Je vous mets le timer qui s'affiche juste ici et nous on passe sur la deuxième partie. On va s'ouvrir ça ensemble et découvrir tout ça ensemble. Hop, petite ouverture. Donc il m'a simplement dit. Ok. Il m'a simplement dit d'ouvrir le booster en premier. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit dans le message. Donc bah, écoute, je vois, il y a un paquet, on va pas se spoil. Et puis on va ouvrir ça en premier. Donc comme d'habitude, bah, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. C'est toujours extrêmement cool. Je referai un point sur ça parce que d'ailleurs, il y a une anecdote un peu drôle concernant ce cadeau. Mais waouh, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Mais voilà, c'est... Wouah, putain! Je crois que c'est la seule qui me manquait. Je crois que c'est la seule qui me manquait. Ok, du Fantorus. Ça, c'est très très cool. Oh! Petite base Fantorus. Donc le N est très très cool. Je sais pas si mon macro déconne pas un petit peu parce que c'est la seule qui me manquait pour faire finale. Et puis bah, du Fantorus pour mon deck Fantorus. Je sais même pas à quel moment... J'en ai jamais trop parlé, peut-être dans une vidéo. Mais bon voilà, c'est sûrement un abonné très fidèle et ça fait extrêmement plaisir. Et puis la suite, alors ça c'est sous sleeve, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Cleese de là. Je sais pas ce que c'est, bon ok. Waouh, comment ça s'ouvre ça? Comment j'ai galéré, je risque pas. Ok. Subterreur. Monster est bon. Oh, stylé. Une ulti. Mais what? Attends. C'est une ultimate. Oh, elle est tellement belle. En plus, elle est en parfait état. Et ce qu'il y a derrière, c'est encore plus dingue. Alors, en mauvais état, malheureusement. Mais par contre, c'est une dinguerie, on est d'accord. Le géant en ultimate, comme ça. Bah écoute, bah merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Alors, sachez que toute cette partie-là, je ne le savais pas du tout ce qu'il allait m'offrir. Je sais sûrement ce qu'il y a là-dedans, puisque c'était le but de son message initial. Waouh, dragon métal noir, c'est pareil, c'est... Putain, mais c'est vraiment... Bah merci, voilà, ça fait super plaisir. Du Subterra, ça c'est très très cool aussi. Et puis, bah, le petit monster Reborn. Et voilà, donc la seule chose que je sais, c'est ça. Voilà, c'est un Borel Sword. Donc en fait, pour la petite histoire, il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait eu plusieurs Borel Sword, genre 6 depuis que Borel Sword est sorti, et que bah, il tenait à m'en offrir un, puisque bah, du coup, il pouvait bien partager ça, vu qu'il en avait eu plein. Donc bah, comme d'habitude, j'étais super gêné, je proposais de payer les frais de port, etc. Il m'a demandé une compensation en échange, et vous allez voir, c'est trop drôle. Je fais grave gaffe, j'ai trop peur de l'abîmer. Il m'a demandé, il m'a dit qu'il ne voulait rien en échange et il m'a simplement demandé des cartes pingouins. Voilà, donc je lui ai fait un petit lot de pingouins que je lui ai envoyé. C'était l'échange. Et la chose assez drôle, c'est que juste après qu'il m'ait proposé cette carte-là, j'ai un autre abonné qui m'a envoyé le même type de message en me disant, mais voilà, j'ai eu plusieurs Borel Sword, est-ce que je peux t'en offrir un vu que je sais que tu le cherches, etc. Donc bah, évidemment, j'ai refusé le deuxième puisque bah, ça ne me sert à rien, je ne vais pas profiter de vous ou profiter de vos cartes. Mais voilà, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous, putain, c'est dingue. On va essayer de faire un récap de tout ça, mais je sais même pas par où commencer. Enfin, c'est toujours pareil. Voilà, les cadeaux d'abonnés, ça fait toujours extrêmement plaisir. Encore une fois, je le précise, je ne fais pas de vidéo pour que vous m'offriez des cartes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la plupart du temps, si vous m'envoyez un message, ben, je vous proposerai toujours un échange, de vous payer les frais de port ou de vous acheter la carte. Là, vraiment, il a tout refusé, il m'a demandé juste des cartes pingouins en échange, donc... Bah c'était ok, mais voilà quoi, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça c'est vraiment très très beau. Et de mémoire en plus elle a sa petite valeur parce qu'elle est assez rare à croiser. Le Monster Reborn en float, ça fait toujours plaisir, ça c'est vraiment deux pépites. Elle c'est très dommage son état, mais ça reste un monstre, elle va dans mon classeur directement, le Head c'est très très cool. Le Fantorus, ça c'est toujours bonus. Ça, c'est très cool parce qu'en GLD4 de mémoire, je ne l'ai pas. Donc, ça vient compléter ma liste de cartes Toon, Destiny Draw. Bon, ça, c'est toujours bonus.
Et puis le petit épée Borel qui est enfin en ma possession. Voilà, cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que prévu. Je vous avais mis le timer, je vous le remets ici pour ceux qui veulent passer, etc. Le petit Borel Sword va me servir puisque j'en ai besoin pour mon deck Profile Rocket qui sortira sûrement très bientôt. Merci à vous tous d'être aussi exceptionnels à la communauté Yu-Gi-Oh! C'est vraiment impressionnant d'être aussi cool et de partager tout ça. C'est génial, cette aventure est géniale et elle existe uniquement grâce à vous. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et puis on passe sans plus attendre à la deuxième partie de cette vidéo. Hey, yo les, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous expliquer le concept, je le fais régulièrement et puis vous l'avez sûrement déjà deviné avec le titre et la miniature de la vidéo. J'ai acheté encore une fois une collection, je le fais régulièrement sur la chaîne, je vous mets quelques petites images qui pop juste ici. C'est généralement un format qui vous plaît et moi c'est quelque chose que j'adore faire tout simplement. Voilà, je vous montre rapidement un petit peu ce que j'ai acheté. Voilà, ça représente ça. Donc, je vais pas vous mentir, cette collection-là, c'est pas comme d'habitude où j'achète, on va dire, un peu à l'aveuglette et que je découvre avec vous. Cette collection-là, je l'ai achetée à un ami à moi. J'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir lui proposer un prix d'achat qui était correct pour moi et rentable pour lui. Donc, y a un paquet de cartes que j'ai déjà mis de côté. Voilà, il est juste ici. Je vais pas tout vous montrer, je vous le montrerai à la fin. Je vous montre une seule carte. Ah bah je l'ai pris totalement au pif. Mais voilà, bon, il y a des petites cartes très très sympas. Voilà, pas grand chose à vous dire de plus. J'ai, du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que je connais déjà plus ou moins le lot, je l'ai déjà regardé une fois, et bien je vais le re-regarder avec vous en vidéo. Et puis je vais commencer mon tri tout simplement avec les cartes que je trouve cool, les cartes que je trouve cool. Peut-être qu'il y a encore des pépites que j'ai pas forcément vues au premier passage et que je vais redécouvrir avec vous. Je vous le dis tout de suite parce que la vidéo risque d'être longue et sûrement que vu que la collection n'est pas énorme non plus, je vais sûrement en faire une seule vidéo, mais vous pouvez vous abonner et lâcher un petit pouce bleu tout de suite, ça fera toujours plaisir, votre soutien est toujours très très intéressant, on le voit juste ici, on est presque 2500 sur la chaîne, c'est n'importe quoi, ça me fait extrêmement plaisir d'être autant soutenu que par vous, parce que bah, y a effectivement le chiffre des abonnés, c'est un fait, mais il y a également vos messages, vos réactions, et puis toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment génial de pouvoir partager tout ça avec vous. On passe sans plus attendre sur la deuxième caméra, je parle très très vite, je dis beaucoup de choses, mais c'est juste que j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, et puis surtout, hâte d'arriver à la fin de la vidéo pour pouvoir vous montrer ce petit paquet là, parce qu'il y a des cartes, vous allez en saliver, vous l'avez peut-être déjà un peu deviné avec la miniature, mais vous allez, voilà, c'est des pépites. On passe à la deuxième caméra. Ok, donc le lot est là. Bon, il y a quand même un gros paquet, hein, qu'on soit d'accord. J'ai estimé le lot à plus ou moins 2000 cartes, je pense que c'est ça, à quelques cartes près. Donc ce que je vais faire, le lot, je vais le mettre juste ici pour que ce soit pratique pour moi et je vais pouvoir mettre mes piles juste ici, et puis c'est parti. Alors je vais pas trier pour l'instant les cartes, voilà, ça par exemple c'est des cartes que je trouve cool moi. Hop, macro, faut que je fasse gaffe parce que souvent que je mets les cartes par ici, et du coup vu qu'il y a ma tête ici systématiquement, mais parfois ça passe dessous, ben voilà, ange de la loyauté, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très très cool. Honnêtement, il y a quelques cartes abîmées, mais il y a des cartes très vieilles et qui font extrêmement plaisir. Ça par exemple, techniquement, c'est du LDD, il est abîmé malheureusement, mais moi ça me fait toujours plaisir, du LDD, du Mercer Fourrure. Donc il y a du très vieux, il y a du très récent, pot de dualité, ça c'est toujours très très cool. Vous pouvez le voir d'ailleurs, juste ici, mon décor est défoncé, hein. Je vous ai mis une photo il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, en fonction de quand ça sort cette vidéo, je sais pas quand est-ce que ça va tomber, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est exactement pendant, vu que j'ai reçu une nouvelle collection, j'en ai profité pour sortir toutes mes communes et essayer de faire un petit peu de tri sur tout ça, donc bah, du coup mes communes et mes cartes, la plupart de mes classeurs sont pas dans mon décor, j'ai essayé de bricoler avec des tins sarcophages, mais bon ça ressemble à rien. Beaucoup de cartes très très cool, hein. Cadeau spatial, c'est toujours très sympa. Ça c'est cool, transaction c'est cool. Du héros de la destinée, du sabre X, du néospatien. Alors potentiellement, encore une fois, hein, c'est vu que je le fais en live, là je vois les cartes à travers le téléphone, donc des fois je vois pas les cartes en même temps qu'elles tournent. Changement de masque, moi je le prends. C'est toujours très très cool. Potentiellement, il y a des cartes cool que je peux louper, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que alors je les reverrai peut-être au rangement, mais parfois, c'est vrai que bah, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Pendant une partie de mon adolescence, et du coup, il y a des cartes qui sont intéressantes, avec une certaine valeur, et que je ne connais pas forcément, donc n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça peut être que bénéfique, hein, honnêtement. Puis ça augmente un petit peu mes commentaires dans les vidéos, tout ça, ça l'a fait mis en avant. Oh, dommage qu'elle soit abîmée. Ça, je vais la mettre de côté. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Je force, on dirait que je force sur les commentaires, alors que pas du tout. Juste, j'y pense parce qu'on fait la vidéo. Ça fait partie des cartes qui pointent vers un jeu de Konami. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo où je vous parle des cartes Yu-Gi-Oh! Qui pointent vers une autre licence Konami. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le genre de contenu qui peut vous plaire. Voilà, moi, ça m'intéresse.
c'est genre de truc que je... Oh, il est beau, comme le petit pourrait. Genre de truc qui pourrait me plaire à faire, mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que, bah, encore une fois, vos retours sont toujours super importants. Pas mal de cartes très cool que je vais te passer devant les yeux. Les trappes pour un deck rétro, d'ailleurs, j'en ai oublié une, je crois. Les trappes pour un deck rétro, c'est... Oh, il est beau! C'est le deuxième artwork, ça je prends, hein, évidemment. Stylé! Destruction de main, on prend toujours. Le gratte-ciel, c'est dommage qu'il soit abîmé. C'est toujours pareil. Ok, petit colibri. Ok. Il y a des cartes sympas quand même. Hein. Enfin, franchement, c'est un lot... Alors, c'est un lot qui a traversé les époques vraiment parce qu'il y a beaucoup de GX, honnêtement. Mais il y a également beaucoup d'autres cartes, des cartes plus récentes. Il y a des cartes... Il y a de la Tunebox Sarcophage Doré. Enfin, voilà, il en a acheté une la semaine dernière. Puis finalement, il s'est décidé à vendre ses cartes. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il garde juste ses decks. Et du coup, moi, j'ai racheté toutes ces cartes à côté. Mais j'allais dire, je rachète ses communes. Mais il n'y a pas que de la commune, loin de là. Et du coup, bah, ça fait que ça peut faire des lots... Ça fait un lot très intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, tout simplement. Alors, je passe les cartes à l'envers, pour la simple et bonne raison que si c'est des cartes cool, je les reconnaîtrai. Ça, par exemple, c'est une carte très très cool dans le deck Rocket. Big up à Ajakiv si tu regardes cette vidéo. C'est toi qui m'as donné cette idée-là, et ça marche très très bien, je dois l'avouer. Ça, par exemple, c'est une pépite, hein, on est d'accord. Elle est vraiment très très belle, cette carte. Ça coûte rien, en plus de mémoire, mais c'est très très joli. On a déjà un petit paquet de cartes de côté qui est cool, hein, mine de rien. Alors après, peut-être que c'est des cartes que vous n'auriez pas mis de côté. Après, encore une fois, bah, ça reste ma collection. Et moi, je suis content d'avoir ces cartes-là. Typiquement, ça, c'est la deuxième fois qu'on le voit. C'est pas la bonne édition, malheureusement. Mais ça, par exemple, pour mon deck Roid, ça, c'est cool. Ça, c'est le Foolish. Le Foolish, on prend tous les jours, hein, honnêtement. Trap. Bon, alors, elle, on va le mettre dans la case... Elle, c'est pareil, la case, les cartes qui vont aller à la poubelle. Puisqu'elles sont en trop mauvais état. Pour que je les garde, j'ai beaucoup de cartes, et si je commence à garder les cartes même en mauvais état, je vais pas m'en sortir honnêtement. Alors j'ai vraiment l'impression que mon macro fait n'importe quoi, ça me gonfle ça. Guerrier Colossal, il est en bon état, voire très bon état, donc ça fait toujours très plaisir. Gravitation de la Terre Ferme, c'est pareil, c'est très très cool pour les héros. Pour Terre Ferme, hein, tout simplement, ça, c'est belle, malheureusement. Du Cyberdragon, moi je prends, je sais pas si j'ai mis les autres ici, ouais j'ai mis les autres ici, ça c'est des cartes Cyberdragon, tu peux le mettre même aujourd'hui encore dans beaucoup de decks, donc bah, pour moi ça va classer Staple, hein, tout simplement. Alors c'est mes classeurs Staple, hein, mais les Staple que j'estime moi, sont pas forcément des Staple pour tout le monde, mais moi c'est des cartes que j'aime bien, ça c'est très cool, hein, honnêtement. Sarcophage Doré aussi, ça c'est des cartes promo de mémoire. Du Arcane, c'est cool. Ah, j'ai pas trop regardé s'il avait du Arcane quand j'ai regardé le lot. Je suis pas trop loin à finir mon deck Arcane. C'est un deck que... Alors que je fais même pas pour moi, je fais pour mon beau-frère. Mais c'est un deck qui est très très cool à jouer normalement. Et très fun, ça reste du deck rétro. Hein. Ça, par exemple, c'est une excellente nouvelle pour mon deck MDM. En plus, MDM en bon état, ça fait bon état. En pas trop mauvais état, on va dire. Ça fait toujours plaisir, puisque pour le deck... Non, mais du... Ok, très très bien. Pour le deck Bandiken saison 1 que je suis en train de taffer, je pense que ça aura très largement sa place. Ça, c'est des très belles cartes. Hein. Honnêtement, le petit noueux fait très plaisir. Ça, c'est un mauvais état, malheureusement. Terra, c'est très cool. Tomate... Soldat de cartes, c'est toujours bon. Renfort, c'est toujours bon aussi. Ah, du Sissam. Sissam, c'est cool. Chimera Tech, on prend. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est plutôt belle, celle-là. Ah, du Roid, ça, c'est plutôt cool. Du Magicien Sombre. Les Monsters Reborn. Ça, c'est vraiment la carte. Même si elle n'est pas en trop bon état, je vais la garder quand même. Juste parce que j'ai compté tout à l'heure, j'avais une trentaine de decks au total. Et du coup, bah, ça fait déjà 30 Monsters Reborn qui sont utilisés presque partout. Donc bah, forcément, c'est toujours bénef d'en avoir en plus. Koga. Ok. Koga, c'est pas mal. Pour un deck full héros masqué, ça peut être très intéressant. Pas mal de héros élémentaires, ça c'est plutôt cool. Ben voilà, Vent Divin, c'est plutôt cool, Vent Divin. Migrateur, donc ça fait partie typiquement des cartes promo. Et c'est cool parce que je ne l'avais pas. Bon, je vais la mettre ici. Mais ça fait partie des cartes promo de la Tin Box. Féru de Bataille, très fort comme carte.
Ouais, là on voit du héros élémentaire très abîmé, c'est dommage. On le sait que les héros élémentaires valent une blinde si ils ne sont pas abîmés. Hop, c'est de la commune. On passe. Alors ça c'est cool aussi. Pourquoi? Parce que, alors ça je retrierai après, mais parce que j'aimerais bien me faire un deck alien, voilà, me finir un deck alien. J'ai une base, aujourd'hui j'ai une boîte avec plein de bases de deck, et j'aimerais bien me finir ce deck alien. Token c'est toujours très très cool, moi j'adore les tokens, et du coup, ben voilà, c'est toujours bon à prendre, quoi, tout simplement. Ça c'est cool. C'est cool parce que c'est très demandé, c'est toujours demandé. Trap s'en fout aussi, c'est cool. Neo Space, DP03 abîmé, c'est dommage. Hein. Oh, Nanocasseur, bah tiens, Nanocasseur, ça fait partie des cartes également qui pointent vers une autre licence de Konami. CRV. Il y a des cartes, je connais même pas. Kraken de Feu, j'ai jamais vu cette carte, je crois. Je vais me faire huer dans les commentaires en mode, c'est une carte trop connue. Bah oui, mais je l'avais jamais vue avant, désolé. YGLD, mais oh, elle est mise sprint. Ah oui, c'est vrai, on l'avait vue ensemble. Elle est mise sprint, elle est légèrement trop haute. Ça, c'est du quoi? C'est du Lucius Ténébreux. Ouais. Ça, c'est toujours cool. Alors, aspirateur de jetons, très très fort, ça. Très 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 fort. Dans certains formats, ça peut être très intéressant. Et peut-être que contre Nibiru, ça peut-être faire des trucs. À voir. Nibiru qui est, pour moi, une bête noire. Voilà, on a fini une des colonnes, il en reste deux à voir. Je pense que c'est une vidéo qui va durer 20-25 minutes. Donc, bah, si vous restez jusqu'à la fin, vous êtes des vrais. Et sinon, bah, vous pouvez laisser votre pouce bleu et partir, il n'y a aucun problème. Ça, c'est toujours cool, la robe du magicien. Hop. Ça, c'est pareil. Ça se demande beaucoup, donc ça fait toujours plaisir de le faire tomber. Du l'alien, j'en parlais juste avant. Anne, poubelle, malheureusement, très mauvais état. Ça, c'est pareil. Malheureusement, on n'est pas sur du très bon état. Poli, c'est dommage. En fait, Poli, je vais la garder malgré l'état, parce que Poli, tu peux t'en servir dans beaucoup trop de decks pour la jeter. Des fois, j'aimerais bien que le paquet soit à l'endroit. Là, je le retourne, ça repasse à l'envers. Non, c'est bon. Hop, tac. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça peut être utile dans pas mal de decks. Cet outil, c'est fort aussi. Ok, Equimax Rosedia. Alors évidemment ça doit être avec la rareté, voilà c'est du MP19, mais c'est toujours bon à prendre. Botte de miel, beaucoup trop fort. Ça, Esprit de la Terre, c'est assez sympa. Je l'ai déjà, mais je l'avais en mauvais état, et j'ai posé une photo sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein. Je colle ça au passage. Mais j'avais posé une photo sur Instagram, j'ai les deux autres, j'en ai deux autres en Ultimate. Et du coup c'est cool d'avoir celle-là. Ça fait toujours plaisir aussi. Des codes Talker, on peut le mettre partout, c'est plutôt intéressant. Du Force Arcane. Il y a pas mal de Force Arcane depuis tout à l'heure. Je suis assez content sur ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ange Lumineux, c'est assez cool aussi. Troupe Exilée. Troupe Exilée que je mettais dans mes classeurs avant en tant que staple. Et puis ben, finalement, tu t'en sers dans certains decks. Mais c'est pas si fort que ça. Du coup, je les ai enlevés. Tout simplement, je les ai enlevés du classeur. Très abîmé, malheureusement. Ça, c'est pareil. Hein. S'il y en a parmi vous qui récupèrent les cartes abîmées, ben, envoyez-moi un message. Je vous envoie ça. Vous payez juste les frais de port. Je vous renvoie les cartes. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est quoi? TDGS. Ok, à voir. Ça peut être intéressant. Typhon. Typhon, c'est toujours cool. Duroïde. Très abîmé, malheureusement. C'est pareil. C'est très, très abîmé. Sage Fusion, alors Sage Fusion, je même abîmé, je la garde parce que ça se joue dans beaucoup de decks, c'est... Voilà, enfin, moi il y a plein de decks rétro dans lesquels je l'utilise, donc Ange Lumineux, en vrai, j'ai un doute maintenant si je le mets dans ce tapel ou pas, si je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, ça doit être du YGLD, ça, si je me trompe pas, DPYG, oh, oh, intéressant, DPYG, c'est pas mal, LV8, ok, RGBT... Ça fait RGB, ok, c'est drôle. Ah, on se marre bien. Ok. Ça, c'est toujours très cool. Dispositif, c'est très très fort. Hein. Dispositif, c'est du... C'est du staple pour moi. Oh, du chrysalide. Ça, c'est quoi, ça? Ok, perle. D'accord. Petit X's. Pas mal de cartes. On voit des cartes pop, des cartes très récentes pop au milieu du tas. C'est. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est du HLD. 1 pour 1, c'est toujours très très cool. Parce que c'est très fort, tout simplement. Et Effet X6. Ok.
pour l'instant, je suis pas mécontent de cet achat. Voilà, pour l'instant, je suis assez content de... Je l'ai passé une fois, mais voilà, je le repasse. Ben, Sage Fusion, tac. Ben, il y a deux, très bien. Sage Fusion, toujours besoin, hein, clairement. Sage Fusion, moi, je prends, il n'y a aucun problème. Et Fusion des Ténèbres à gogo. Pas mal de cartes cool, Monster Reborn. On prend... Oh! Ça, c'est toujours très, très cool, le raisonnement. Ils font un petit Yatargarad. Ça, c'est très, très cool. C'est du Greg Geldé. Oh, tac, 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 tac. Tac, Féru de bataille. Why not? Il y a quand même pas mal de rareté. Honnêtement, il s'est pas foutu de ma gueule sur le lot. C'est pas mal. Oh, robot synchronique. Ça devait être une des cartes promo, je pense. Je pense de Chill le Tin Box, quelque chose comme ça. Et ça, ça devait aller avec, à mon avis. Et peut-être que ça aussi. Parce que vu qu'elle était entre les deux, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ok, Maître Hyperion. Ok, agent du mystère. Oh, la petite Athéna. La petite Athéna, bon, c'est pas une première édition, mais c'est cool. Ça, c'est pas mal. Franchement, les agents, c'est pas mal. Parce que ça fait des bons decks. Et surtout des decks qui tournent même à l'heure d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Je me rappelle jamais du nom de ce deck. C'est un nom, évidemment. Mais je me rappelle plus. Koala Géant. Alors, Koala Géant, c'est tout con, mais ça fait plaisir. Gaïa Sombre, c'est pareil, ça fait plaisir. Ok, ça, c'est plutôt cool. Alors, ça, c'est fort, honnêtement. En plus, elle a une rareté. Ça, c'est dommage qu'elle soit abîmée. Tiens. MP17. Ok. Je savais même pas qu'elle avait été édite en MP17, elle. Oh, SDCR. Première édition. Pas mal. Pas mal aussi. Ça, c'est abîmé. C'est trop dommage. On entend le bruit des cartes qui frottent et ça me fait mal au cœur. Vraiment. Oh, le petit usine des 100 machines. On voit pas souvent. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas souvent que je le croise. Du token. Enfin, encore du token, décidément. Pas mal de token. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Je collectionne... De là à dire que je collectionne, pas vraiment. Mais j'ai pas mal de token. Et j'aime bien compléter un peu cette collection. Et surtout les avoir plein de fois. Parce que je trouve ça vachement plus stylé de jouer avec des vrais tokens. Ça, c'est très, très cool. Que de jouer avec... Avec des cartes random, après chacun son choix. Tombeau profond, c'est très cool. Colère divine. Ouh, je sens que je vais avoir du tri à refaire. Ça, c'est cool. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Le paquet, là, je vais le fouiller. Il va falloir que je trie rareté commune. Après, dans les communes, bah, ça, c'est pareil. C'est une carte qui pointe vers un jeu Konami. Après, rareté commune, il faut que je trie les communes pour savoir dans les communes ce qui peut aller Zera la menthe. Ok. Ce qui peut aller dans d'autres decks. Et... Oh, le maître d'ose, il est tellement abîmé. Je vais le garder, mais ça me fait mal au cœur qu'il soit abîmé comme ça. Yes. Numéro 96. Ok. Petit Garfield. Et stylé, elle, hein. Franchement, elle a du flow. Robot de dévastation. Ah, ben hop, KO. Tac. Stylé. Et du coup, ouais, j'ai encore pas mal de boulot, mais bon, du coup, voilà, j'en profite pour ranger toutes mes cartes, mettre un peu à jour ma collection. Peut-être que, ah, bah tiens, il y avait un abonné qui voulait cette carte-là, et ben voilà, je te la mets là, elle est de côté, elle est pour toi. Un abonné qui m'avait envoyé un message privé en me disant qu'il l'a cherchée, tout simplement. Hop, DP03 en bon état, ça vaut une blinde, mais c'est pas le cas, et pas en bon état, malheureusement. Tac, 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 destructeur. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour jeter un monde. Ok, d'accord. C'est un tuto de terrain, pourquoi pas. Petit géant de tonnerre. Monde zombie. Ok. Zombie que je déteste. Vraiment, zombie, ça me fait tellement mal. Genre, contre Rocket, zombie, c'est trop fort. Contre Cybers, zombie, c'est trop fort. Parce que je ne peux pas sortir mon extra deck, tout simplement. Et du coup, je me retrouve, genre... Bah, fin de tour. Je peux rien faire, du coup. C'est trop fort. Mais bon, ça se passe quand même, honnêtement, on va pas dire facilement. Putain, elle, c'est pas souvent qu'on la croise non plus. Ça se passe quand même, hein, honnêtement. Bah si, disons que si je joue premier, il posera pas mon zombie, quoi, tout simplement. Hop, j'ai tapé dans la barre. Et on est bientôt à la fin du deuxième paquet. Du DDY. C'est par essence, hein. C'est force. Ça, c'est quoi? C'est 300 pour chaque carte retirée du jeu. C'est beaucoup trop fort. Tu joues ça dans un green majou. Parle chinois, le gars, en face. Hein.
ça peut vite faire très très mal en plus, hein. Parce que 300, tu utilises deux pots de machin là, tu fais. Oh. Même. En mauvais état, ça me fait mal au cœur, putain. Ah, un petit BLS. Ok, alors BLS, c'est vraiment la carte, genre tout le temps, je la prends tout le temps. C'est vraiment. Ça fait toujours plaisir de la croiser. Ok, c'est 39. 39, alors ça, c'est toujours cool, honnêtement. Ok. Petit Maximus Crozier, j'en ai déjà fait tomber un dans la vidéo où j'ouvre des team box, il me semble. Presque sûr même. C'est quand même pas mal. Ouf, ça, poubelle, malheureusement. Hop, on va pas mélanger quand même la poubelle et les cartes qu'on garde. Hein. Soldat pingouin, big up, big up à toi. Si tu vois cette vidéo, big up à toi. La personne en question se reconnaîtra. C'est un abonné à moi, pour vous faire la petite histoire, parce que quand même, sinon vous n'allez pas comprendre, c'est un abonné à moi qui collectionne les pingouins. Voilà, donc ben, je lui en ai envoyé quelques-uns il n'y a pas très longtemps, je vous en ai sûrement déjà parlé. Et si ce n'est pas encore le cas, je pense que j'aurais mis en fait cette petite vidéo d'intro avant cette vidéo-là, donc ben, vous comprendrez. Mais voilà, ça fait toujours. Ben, encore une fois, merci. Voilà, c'est très très cool. Et du coup, ben, voilà, si jamais. Il me semble que tu l'as, c'est là. Mais s'il y a d'autres pingouins qui t'intéressent dans l'eau, n'hésite pas, et que je ne vois pas forcément, n'hésite pas à me le dire. Voilà, ça fait. C'est aucun problème. Mais non! Mais non! Ça c'est pour Exodia, ça. Il me l'a fallait et je suis très content de la faire tomber. Ça m'évite de l'acheter. C'est plutôt cool. Ok. Délivrance. Pendulier, c'est toujours très très cool, hein, honnêtement. Je dis cool tout le temps. Hein. Je sais que vous allez encore me le dire dans les commentaires. Mais. Tant pis, je le fais pas exprès, hein, les gars. Restez cool. Restez cool. Bref, oh, un guerrier de la route, en bon état. En plutôt bon état, on va dire. Pas abîmé. Ah, oh, ça, c'est cool de mémoire. MP14, c'est pas du fer, c'est du MP. Pas forcément... Putain, j'ai pris trop de cartes dans les mains, j'ai des petites mains. J'ai des petites mains. Non, le paquet est trop gros, surtout. Ok, dauphin marin néospatien. Wow, je galère tellement à tout sortir. Là. Ok, ça va un peu mieux, là. Pas mal de bêtes cristallines. Mon deck bête cristalline est déjà plein. Donc si ça se trouve, ça permettra de faire une base et de la vendre comme je l'avais déjà fait il y a quelques temps. J'avais vendu, je sais pas, j'avais 7-8 bases, quelque chose comme ça. Et certains parmi vous m'ont pris 3 bases d'un coup, genre sans réfléchir en disant bah je prends ça, ça, ça. Bah ok. Mais du coup voilà, si jamais je peux refaire des bases, bah ce sera avec grand plaisir que je vous propose ça sur mes réseaux sociaux. Du coup Facebook, Twitter, vous pouvez me rejoindre, hein, c'est gratos, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on a passé les 700 sur Twitter, c'est ouf, hein. 700, ça fait beaucoup quand même. Brr. Ah putain. Je galère là. Elles sont en train de tomber par terre. Bon, il n'y a pas grand chose qui est tombé par terre. Je les ramasserai après la vidéo. Hein. Faut juste que je fasse gaffe de pas les abîmer, même si je pense pas pouvoir abîmer ces cartes plus qu'elles le sont déjà. Tac. Alors, on arrive vers la fin de la vidéo. Aquamodor, LDD. Bon état. Ben oui, oui monsieur. Tac. Loi des ténèbres. Ok. Très bien, loi des ténèbres, c'est toujours bon à prendre, hein, honnêtement. Hein. Petit pingouin, encore. Guerrier réincarné, j'arrive pas à parler, c'est ouf. Ça c'est cool aussi, hein, mine de rien. Ça, ça dans Merci Fourrir par exemple, ça fait le taf. Hein. Ça fait grave le taf. Pas mal de petites cartes sympas quand même. Hein. Petite carte clairement rétro, abîmée, mais bon, moi ça me fait toujours plaisir. Barrière terrain d'Antoun, c'est beaucoup trop broken. Il y en a deux en plus, on va les prendre. Hein. Soul Rope, c'est pas mal également. Voilà, on se la met de côté, celle-là. Poly, on met de côté également. Rétrécissement, abîmé. Ouais, je vais la mettre ici, je referai un truc de toute façon. Tac, ok. Et ben, il y a un beau petit paquet, on va pouvoir voir ça. Et j'ai tellement hâte de pouvoir vous montrer ça. Vous n'imaginez même pas où, je vous en montrerai pas plus. De toute façon, la première, malheureusement, c'est une vraie pépite, mais elle est abîmée, très abîmée. Donc, elle perd énormément de valeur. Mais hop, pas mal de petits... Peut-être que je pourrais faire un lot Sabre X aussi, tiens. Pourquoi pas, parce qu'il y a quand même pas mal. J'ai déjà un deck Sabre X de mémoire qui est complet ou pratiquement.
Hop, le petit golem. Golem très très fort, malheureusement. Banni ou limité. Je sais plus, mais banni de mort quand même, parce que sinon il serait joué beaucoup plus souvent. Tac. Hop, flash héros, toutes les lettres. Ruine, trappe, trappe sans fond. Vamos, hein, tout ça on prend. Royaume psychique, du Kuribo, renfort de l'armée, jugement silencieux. Ça, c'est des cartes toujours très fortes. Tu peux le mettre dans plein de decks. C'est vraiment. C'est jouable à 2000%. Donc, c'est toujours très très cool. Oh, bah tiens, petit Endymion, petit Caius. Hop, du Conigimal. On prend, hein, ma foi. Je pense que cette vidéo fera 30 minutes du coup. Hein. 30 minutes. Donc, du coup, bah, si vous êtes toujours ici. Eh ben, gros big up à vous, ça fait grave plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller participer à ma vidéo. J'ai fait un concours dans la vidéo. Il y a les 5 ici, dis donc. What? Attends. Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai bien vu, quand même? Alors, il y a 2 sphinx et il y a un petit ravial. Alors, il est défoncé, mais c'est SOI, première édition. On prend. on prend, c'est pas un souci. Ça, c'est cool aussi, hein. Mur de fer impérial. Les cartes ne peuvent pas être retirées du jeu. Beaucoup trop fort. Ça bloque beaucoup de decks, hein, mine de rien. Hein. Tu joues contre un deck qui... tu joues quand un Green Manjou... Green Manjou. Hein. Bah, il fait pas grand-chose, hein, du coup. On voit que c'est des vieilles cartes, hein. Petit magicien sombre. S-Y-E, Y-G-L-D. Ça fait toujours plaisir. Bon, elle est très, très abîmée, malheureusement. On va les mettre là. Elle, on va les mettre là, tiens. Je suis handicapé. Vous le savez pas, mais... j'ai des déficiences, hein. Beaucoup de héros élémentaires, hein. Ça fait très plaisir. Océan, c'est pas con, souvent qu'on croise Océan, mine de rien. Une grosse base héros élémentaires, une grosse base GX en règle générale, en fait. Hein. Parce qu'on a vu plein de héros de la destinée, on a vu de... Tiens, Chasse Sauveteur. Bon, ça c'est toujours cool, hein. Honnêtement, on prend toujours. On a vu plein de Force Arcane également. C'est le dernier paquet. Voilà, après la boîte est vide. Donc après, ben, je pourrais vous montrer, on refera un petit récap sur ce que j'ai sorti ici. Et je pourrais vous montrer Double Invoke. Du coup, je crois qu'on a eu playset Double Invoke, c'est très très cool. Parce que bah, Double Invoke, tu peux le jouer dans... Je joue même Double Invoke. Enfin, j'ai une version de Cybers que j'ai testé avec Double Invoke. Parce que c'est très fort. Ça permet de sortir bah, des combos plus facilement. Et de se sortir de mains qui pourraient être briques. Si j'avais pas ça. Tiens. Ça, c'est très très cool. Sanctuaire, Seigneur, Lumière. Bah, pourquoi pas. Père Genesis, ça fait mal au cœur de le voir aussi abîmé. Marin, Artilleur. Abîmé. Tiens, alors ça c'est cool, parce que ça part comme des petits pains. Donc c'est cool. Ça part comme des petits pains à cause d'Oviraptor. Voilà, big up à Oviraptor qui permet de vendre cette carte-là en masse. Parce que l'alternative du coup à Oviraptor, c'est... Oh, tiens, c'est pas mal ça. PTDN. On prend un PTDN, ça c'est toujours très très cool. C'est Teneb Fantôme, donc c'est très très cool. L'alternative à Oviraptor, mais on en reparlera. On finit avec Oviraptor Cérébral, donc c'est pas mal tout. C'est tout simplement Draconé, mais le tuto Draconé, c'est Synet Mining. Et honnêtement, vaut peut-être mieux acheter Fouille Archéologique, hein, honnêtement. On va essayer de se faire un petit récap là-dessus. Je sais quoi, je le mets en accéléré, vite fait, juste histoire de les remettre dans l'ordre, et on se fait un récap juste après. Ok, donc ça fait un petit paquet quand même de cartes que je suis content d'avoir récupéré dans l'eau, ça fait ça, et puis hop, je vous montre rapidement, voilà, il y a ça quand même de reste de cartes. Je vous montre rapidement ce qu'il en est, sachant qu'il y a sûrement des cartes que j'ai passées qui sont dans ce lot là et que je n'ai pas mis de côté, voilà, je vous repasse ça rapidement. C'est les cartes que je suis vraiment, voilà, on va dire c'est les staples, les cartes qui pour moi ont une petite valeur sentimentale ou qui vont pouvoir aller dans des decks ou dans mes classeurs ou toutes ces choses là. Il y a pas mal de trucs très cool, les trappes, voilà, bon, les trappes on met de côté parce que c'est pratique, ça on met de côté, ça c'est pas mal aussi, voilà, ça fait toujours plaisir. Guerrier réincarné, bon, on en a plein, poubelle celui-là. Armageddon PTDN, mais voilà, c'est toujours très très cool, ça c'est pas mal. Double invoque on prend tous les jours, ça c'est pas mal, hein. Franchement SVE c'est plutôt cool.
Il y a le petit Raviel qui est juste ici. Alors malheureusement, il est en très mauvais état. Mais même en très mauvais état, à mon avis, il a une petite valeur. Donc c'est toujours cool d'avoir du SOI. De toute façon, c'est toujours très intéressant, hein, honnêtement. Ça, c'est plutôt cool. Loi des ténèbres en SDHS. Oui, c'est ça. Ça, c'est très cool parce qu'il me l'a fallait. Double invoque, c'est toujours bénef. 39, c'est cool. Cyber trancheuse, c'est pareil. Croisé dia, le 39. C'est C39 celui-là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour un abonné. Du coup, héros du contraste, maître dose, même s'il est très abîmé, ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est toujours cool de le récupérer. J'en ai un en bon état. Le Nova première édition SDCR. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, ça, c'est du MP17, mais bon, de la secret rare, c'est toujours cool. Yataga Rotsu, raisonnement, c'est sympa également. Sage Fusion 1 pour 1, c'est cool. Ça, c'est cool, hein. Honnêtement, c'est pas trop mal. C'est de l'édition promo, donc pourquoi pas. Les esprits, ça fait toujours plaisir, mine de rien. Et puis, on finit avec quoi? Bon, on a nos casseurs qui est abîmé, mais c'est toujours très, très cool. Et puis, ben, on va faire un petit point sur ces cartes-là que je vous tease depuis le début. Donc, voilà, la première carte. La première carte, c'est un Neos des Ténèbres. Alors, il est extrêmement abîmé, mais il est en Ultimate. Et du coup, voilà, ça me fait mal au cœur. Mais voilà, je peux pas le jeter. Ça fait beaucoup trop plaisir. Voilà, c'est, on va dire, c'est presque sentimental, finalement, de la garder. Juste après, on a eu un ancien gardien, Féerique. Et lui, il est en bon état. Et c'est pareil, c'est de l'Ultimate. Donc, ça fait plaisir. Toute une base héros élémentaire. Et ça, c'est très très cool. Alors vous allez me dire, ils sont abîmés. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, ça va me permettre de compléter mon deck héros élémentaire. On voit la super play juste ici. Et c'est plutôt cool, hein. Voilà, franchement, Exécuteur Phoenix, ça fait plaisir. Le petit homme oiseau de feu, c'est pareil, ça fait grave plaisir. Là, du coup, on a des petites bases. Vous savez quoi, on va commencer par celle-là. Je crois que c'est la moins ouf du lot. Donc là, on a voilà un petit playset MP19 de carte Danger. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis après, voilà, il y a des cartes, on va dire, cool, sans pour autant qu'elles aient une valeur extraordinaire. Mais voilà, c'est toujours sympa. Deuxième base, ça c'est pas mal. Hein. Ça, franchement, c'est pas mal. Il est très abîmé, malheureusement. Mais EEN, première édition, il a sa petite valeur. C'est toujours cool. Grande tornade, du barrière. Ça, c'est plutôt cool en secret. Ça fait toujours plaisir. Starfoil, on prend. Lien des héros, du Phantorus, Neos Aquatique également, pourquoi pas, DP03, première édition. Et ça, c'est pour moi le paquet qui a le plus de valeur. Pourquoi? Parce que, voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Il y avait ça à l'intérieur. Donc bah là, du coup, on est à 15, 10, 10. Voilà, ça va très très vite. Hein. Des liens des héros en secret, c'est plutôt cool. Maître des arcanes, maître des armures. On a ici du bête cristalline, topaz, du point de feu, du colonie du mal. C'est très très cool. Du point de feu également. Petite pépite, hein. Les deux là, on est d'accord que c'est pas mal du tout. Hein. Et puis, petit Pégase pour finir en secret. Il est abîmé malheureusement, mais voilà. Mais écoutez les amis, cette vidéo est terminée. Du coup, on sera presque à 40 minutes de vidéo. Peut-être qu'il y aura des cuts, on verra comment ça se passe. Pour ceux qui sont arrivés juste ici, eh bien voilà, je vous donne l'information que vous vous posez tous depuis le début. C'est une collection que j'ai achetée pour la somme de 100 euros. Voilà, donc c'est plutôt une bonne affaire. Mon pote est content, il a la somme qu'il voulait à peu près. Et moi, du coup, ça me permet de compléter plein de decks. Et puis, bah, jouer des cartes comme Super Poly ou Jugement qui vont me servir dans des decks méta. Ou même des illusionnistes également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous le répète, mais vous pouvez vous abonner et lâcher le petit pouce. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il y a des cartes que vous avez vues ou s'il y a des... ça vous est déjà arrivé d'acheter ce genre de lot. On est bientôt 2500 et ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre les 3000 avant 2020. Voilà, c'est un petit challenge que je me donne. On verra si on y arrive ou pas. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'objectif quantitatif. Honnêtement, je fais ça pour le plaisir. Mais c'est vrai que ça serait un beau cadeau de Noël et puis un beau début d'année, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Ciao !